Les amis, je vais peut-être vous choquer ce matin, mais il faut que je vous le dise. En vérité, hein, l'expérience me permet de réaliser que c'est facile de devenir riche. Pourquoi est-ce que je le dis? Pourquoi c'est facile de devenir riche? Parce qu'en vérité, la richesse obéit à certaines lois, en fait. La richesse obéit à certaines lois. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons pas ces lois-là, en fait. On ne comprend pas ces lois-là. Et comme on ne comprend pas ces lois-là, voilà comment l'argent continue à s'éloigner de nous chaque jour un peu plus, en fait. Mais en vérité, c'est facile de devenir riche. Je vous explique. Quand je dis que c'est facile de devenir riche, je veux dire quoi par là concrètement? Je veux dire que, en vérité, tout commence dans la tête. Tout commence dans la tête. C'est-à-dire, tout part d'une idée. C'est-à-dire, tu as envie de monter quelque chose. Tu as un projet que tu as envie de faire. Tu as quelque chose qui te touche particulièrement, que tu veux réaliser, mais ça commence d'abord dans la tête. C'est-à-dire, tu as commencé à penser cela d'abord dans la tête. Tu commences à réfléchir sur ce projet-là. Tu commences à te dire que comment est-ce que je vais amener ce projet à une certaine exécution ou à une certaine matérialisation. Tu commences à penser ça dans la tête. Mais en vérité, souvent, beaucoup d'entre nous, on est souvent bloqué par ce qui est juste dans la tête. On a l'idée, on a le projet, mais beaucoup ne passent pas à la réalisation. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire, on a l'idée, on a le projet, mais beaucoup ne pensent pas à l'action. Et je vais vous raconter une histoire parce que je sais que vous aimez les histoires. C'est l'histoire d'un jeune africain entrepreneur qui voulait vraiment rencontrer Aliko Dangote. Ce qui s'est passé avec le jeune homme, c'est que le jeune homme a tout fait pour prendre les contacts d'Aliko Dangote. Il a tout fait pour pouvoir rentrer en contact avec lui. Il a pris ses emails. Il est allé dans ses bureaux chercher à le rencontrer. Mais il n'arrivait pas toujours à le rencontrer. Et quand il a pris les emails d'Aliko Dangote, il a eu la chance que l'un des emails qu'il avait envoyé, c'est directement allé chez lui. Et Aliko Dangote a lu son projet. Aliko Dangote a lu son projet. Il a tout fait pour le rencontrer. Et il avait appris que Aliko Dangote devait participer en fait à une conférence. La conférence était très chère, mais il a tout fait pour participer à la conférence parce qu'il voulait rencontrer Aliko Dangote. Ce qui va se passer, c'est que au cours de la conférence, il va un peu se bousculer avec les gens aussi qui veulent rencontrer Aliko Dangote et il va tout faire pour parler avec lui en fait. Et là, c'est là où Aliko Dangote va lui dire, non, j'ai reçu ton email la dernière fois, ça m'a plu, mais viens, on va un peu discuter. Et ce qui va se passer, c'est que dans la salle là où ils étaient, Aliko Dangote va lui proposer en fait que on va marcher ensemble autour de la salle et tu vas un peu m'expliquer ton projet en détail. C'est vrai que je l'ai lu, mais je veux que tu me parles un peu davantage de ton projet. Et dans la salle de conférence là où Aliko Dangote était, quand il marchait dans la salle, le jeune homme l'expliquait le projet en fait. Voilà, mon projet consiste à ceci, mon projet consiste à cela, etc., etc. Et du coup, au fur et à mesure qu'il marchait dans la salle, Aliko Dangote secouait la tête en disant, oui, ok, d'accord, j'ai compris. Et au bout de 5 à 10 minutes, Aliko Dangote va lui dire, ok, le projet est intéressant, mais dans tous les cas, je t'ai compris, bonne chance. Mais le petit est dégoûté que, mais comment ça se passe? Comment se fait-il que j'ai tout fait pour te rencontrer, j'ai tout fait pour vouloir que tu finances mon projet. Et toi, tu me dis en fait que, bonne chance. C'est-à-dire, vous voyez un peu ce sentiment-là où vous êtes à un certain niveau, là où vous avez tout fait pour vouloir rencontrer quelqu'un, et le jour là où vous le rencontrez, la personne vous dit, bonne chance. Et la personne ne finance pas votre projet. Et ce qui va se passer, c'est que le jeune homme va un peu sortir de la conférence un peu débité. Mais
Fait étonnant, c'est que les gens qui étaient en train de l'observer, en train de parler avec Aliko Dangote, vont commencer à venir vers lui. En lui disant, salut jeune homme, j'ai vu que vous êtes en train de discuter avec Aliko Dangote, vous faites dans quoi? Et là, il va commencer à présenter ce qu'il fait, ce qu'il, dans quel domaine auquel il exerce. Les gens vont commencer à venir vers lui pour chercher à savoir il est qui, il fait dans quoi, il fait dans quoi, il fait dans quoi. Et c'est là où, au fur et à mesure qu'il va commencer à présenter son projet, il va déposer sa carte de visite. Il va déposer sa carte de visite. Il va déposer sa carte de visite. Et quand il va déposer sa carte de visite, les gens vont commencer à être étonnés par rapport au fait que, mais oui, mais ça tombe bien parce qu'on cherchait quelqu'un qui était dans ce domaine-là, en fait. Et c'est comme ça que le jeune homme va commencer à avoir ses premiers marchés. En vérité, qu'est-ce que cette histoire nous enseigne concrètement? Voilà pourquoi je reviens à ce que je vous disais au préalable, que en vérité, devenir riche, c'est très facile. Beaucoup d'entre nous, en fait, on a des projets. Mais le problème, c'est que ces projets-là restent dans la tête. Alors que, conscient du fait que la vraie richesse commence dans la tête, pourquoi ne pas matérialiser les projets qu'on a? Moi, je suis arrivé à un niveau là où tout ce que j'ai dans la tête, j'implémente cela. Je fais tout pour réaliser cela. Parce qu'en vérité, tu ne sais jamais l'idée qui va t'amener au sommet. Tu ne sais jamais l'idée qui va te faire avoir le sésame que tu cherchais en fait. C'est la raison pour laquelle tous les projets que tu as dans ta tête, ne les garde pas dans ta tête. Fais tout pour les implémenter. On avait une idée de vouloir créer une entreprise de nettoyage. On l'a lancée. On a gagné les gains qu'on a eus et on a fermé l'entreprise parce qu'on avait certaines difficultés qui commençaient à nous énerver et on est passé à autre chose. On avait l'idée de vouloir lancer un troc, c'est-à-dire un business de troc. On s'est lancé. On a vu ce que le troc demande comme investissement. On a tenté. Et maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est que le business du troc, on va revenir, mais on va revenir avec une nouvelle mentalité et un nouveau dynamisme. On a eu l'idée de vouloir aider les étudiants africains étrangers à vouloir venir étudier aux États-Unis. On a créé l'entreprise. Le site internet est là, disponible. Et si tu es quelqu'un qui veut venir étudier aux États-Unis, le site est là en barre de description. Tu vas, tu cliques, tu remplis et on va faire un plaisir de t'envoyer une inscription pour venir étudier aux États-Unis. En vérité, nous, tout ce qu'on a dans la tête, on implémente ça tous les jours. Parce qu'on parle du principe que, et on sait une chose, c'est que l'enrichissement répond à des lois. Devenir riche commence d'abord dans la tête. Quel est le projet que tu as actuellement? Est-ce que ton projet va rester simplement une idée dans la tête ou est-ce que ton projet va être quelque chose que tu vas implémenter? Ne sois pas ce créateur-là qui a tous les projets dans la tête mais qui ne passe jamais à l'action. Passe à l'action, peu importe le projet que tu as. Les gens vont rire, les gens vont se moquer de toi. Ne regarde pas cela. Toi, implémente ce que tu as dans ta tête. Parce que tu ne sauras jamais quel est le projet qui va faire en sorte que ça va être le catalyseur pour t'amener à un niveau supérieur. Ce jeune homme-là aurait pu rester dans son coin, ne pas chercher à rencontrer les bonnes personnes. Et c'est comme ça qu'il aurait pu rester dans la pauvreté. Mais en vérité, il avait compris ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. La première richesse, c'est d'abord dans la tête. Mais après, maintenant, les choses vont se disposer afin que tu vas rencontrer de bonnes personnes. Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi. Laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.